Bonjour, je suis Arnaud Vacheron, éditeur du site machine-outil.com. Antoine Sarrazin de Sanvic-Coromant nous précise la solution proposée par l'entreprise afin de simplifier le réglage des barres d'alésage ou pour résoudre les problèmes de vibration au tournage intérieur. Donc évidemment, une autre partie du développement de l'offre digitale de Sanvic-Coromant, on a parlé de software, on a parlé de bibliothèque d'outils numériques. Évidemment, on revient au cœur de notre métier qui est l'outil. L'idée avec ce qu'on appelle des outils intelligents, c'est de doter nos outils de capteurs pour aller chercher un certain nombre d'informations pendant l'usinage. Ces informations vont nous permettre différentes choses. Par exemple, dans cette barre d'alésage anti-vibratoire que l'on propose, Silent Tool, on a une difficulté, c'est de régler la hauteur de centre. Grâce au capteur qu'on a pu mettre en bout de barre, on va pouvoir très facilement régler la hauteur de centre et ainsi gagner un temps précieux dans la mise en place de ces outils. Une autre fonctionnalité, on va pouvoir analyser pendant l'usinage le comportement vibratoire de la plaquette. Grâce à ça, on va pouvoir analyser a posteriori comment s'est passé l'usinage et ainsi optimiser le processus d'usinage, les conditions de coupe et autres. Et le dernier développement qui est en cours et qui va être bientôt mis sur le marché, c'est que l'information qu'on va prendre pendant l'opération d'usinage, on va envoyer une information à la commande numérique pour qu'elle-même puisse adapter les conditions de coupe en fonction des informations captées par le capteur qu'on aura mis en tête de barre et ainsi optimiser et garantir la fiabilité de l'usinage. Voilà les développements en cours de l'offre numérique de Sanvic-Coromant. Retrouvez nos actualités quotidiennes sur les machines-outils, logiciels, outillages et services sur le site internet du répertoire de la machine-outil, machine-outil.com, tout au singulier, et n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn.